Merci Kevin. Bonjour tout le monde, encore bienvenue à cette Happy Platform Con. Donc, on va peut-être mettre en plein écran. C'est bon, merci assistant. Donc voilà, aujourd'hui, Jérémy et moi allons vous présenter c'est un peu un retour d'expérience de choses qu'on a pu faire via Happy Platform par rapport à des opérations custom qu'on va mettre sur certaines ressources et comment en fait on a pu les réutiliser. Pas simplement, mais pour faciliter en fait, pour pouvoir faire évoluer le produit en même temps qu'évoluent les besoins du client qui évoluent souvent, pour rien cacher. Bon, pas de plein, pas de plein écran, tant pis, on fera ça. Voilà. Alors du coup, je me présente vite fait. Donc moi, je m'appelle Hubert Lenoir, je suis tech lead chez Senselabs. J'en fais partie depuis quelques années. Vous pouvez me suivre si vous avez envie sur Twitter, même si je poste pas grand chose à part des bêtises. Et sur mes différents repos GitHub où en fait j'ai des projets qui se finissent jamais. Ne rigole pas, Kevin, je sais de quoi tu parles. Et donc voilà pour moi. Donc bonjour à tous, moi c'est Jérémy Jarrier. Je bosse chez Senselabs comme lead dev depuis quelques années maintenant. Donc pareil, vous avez mon GitHub et mon Twitter pour me suivre. Je suis très peu présent sur les deux, bien évidemment. Et puis on va démarrer. Voilà. Ouais, alors oui, chez Senselabs, on a du bon matos. Non, il n'y a plus rien. Il est tout noir. Alors, on a un petit problème. J'allais commencer la chanson, c'est dommage. Maintenant, c'est revenu. Bon. Donc, comment on est arrivé à faire ce talk? C'est qu'on a travaillé donc, du coup, sur un projet ensemble à une époque. Donc, c'est un projet qui se tourne sur API Platform avec trois API REST qui servent deux SPA en React. Donc le projet, c'est un outil de publication de contenu interne à une entreprise qui a eu tendance à se transformer en réseau social. Et donc pour ce faire, on a eu besoin de partager beaucoup de features entre pas mal de ressources différentes sur API Platform. Pour un peu plus de contexte, le projet, c'est un projet à forte affluence. Donc c'est 400 000 visiteurs uniques par jour sur 5 continents et tous les fuseaux horaires. Et sur lequel on ajoutait régulièrement beaucoup de features. Et ces features étaient assez volatiles, donc il fallait pouvoir les modifier assez régulièrement. Et donc découpler tous nos comportements qui étaient présents sur plusieurs ressources de ces ressources-là. Donc par exemple, une des features qui nous a été demandée, c'était les likes, comme sur Facebook, LinkedIn et tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Mais ces likes devaient être appliqués à plusieurs ressources différentes, comme des news, des articles, des pages, des commentaires. Et donc, c'est là le point de départ de notre talk, c'est comment utiliser les comportements sur plusieurs ressources API Platform. Alors du coup, comme on est bête et méchant, plus bête que méchant quand même, je vous rassure, on a suivi la doc, on s'est dit voilà, on va avoir des points d'API un peu spécifiques. En l'occurrence, là, on en avait trois, donc comme on montrait dans le slide précédent, on pouvait ajouter un like, le retirer et savoir si on a liké quelque chose ou non. Voilà, ça,
C'était juste là-dessus. Donc on s'est dit, voilà, sur quoi on a besoin de faire ça? Le client nous dit, bah voilà, sur des news. Ok, on va faire sur les news. Il n'y a que les news? Oui, il n'y a que les news. Vous êtes sûr? Oui. Retenez bien ça. Vous voyez où je veux en venir? Bref, on a commencé là-dessus, on s'est dit, bah voilà, on va partir sur un contrôleur. C'est la manière la plus basique, on va dire. C'est le premier réflexe qu'on a, et c'est pas forcément un mauvais réflexe. Mais voilà, comme ça, ça vous permet en fait de générer ce genre de code. Voilà, donc là, on a utilisé des attributs PHP 8. Et le code va être aussi basé, je préfère prévenir, sur API Platform 3, car nous, on ne propose pas des trucs sur des versions obsolètes. Espèce de cancre. Et donc voilà pour ça. Donc là, vous allez voir par exemple un article, j'aurais pu appeler ça n'importe comment, assez basique. Là, vous avez, c'est une API ressource, vous avez du get collection, du post, enfin, tout ce que vous voulez, et vous couplez aussi à doctrine, car c'est une entité. On a pris un exemple assez simple, avec un ID, un titre, un contenu, et potentiellement une liste de commentaires, qui sont bah, dans une autre entité. Enfin, voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. Maintenant, on va aussi ajouter dans cette entité bah, comment on va gérer les likes. Alors là, c'est assez bateau, c'est un tableau. On va juste enregistrer les iris des utilisateurs qui ont liké. Donc c'est pas optimisé, c'est vraiment juste pour la démo, je vous rassure. Ça tourne pas là, ça tourne pas comme ça, enfin presque. Et voilà, donc une méthode like, voilà, pour dire si je like, une méthode unlike pour retirer ce like si jamais vous l'avez liké, isLiked pour savoir si vous avez kiffé ou pas le contenu. Et enfin, bah voilà, je vous ai parlé de custom controller, il est là. Donc là-dessus, on rajoute aussi au niveau de l'entité les différentes routes au final que vous allez créer, les différentes opérations que vous allez créer. Vous avez du post pour ajouter un like, ça reste un post. On peut avoir un post sur le unlike, mais on pourrait imaginer aussi avoir un delete sur la même URL, c'est pareil. Enfin, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre API. Et du get sur un isLiked. Voilà, on a fait pas très original, mais voilà, ça vous permet de déclarer déjà vos opérations et associer forcément le contrôleur qui va bien avec. On va avoir trois contrôleurs. On les a fait sous forme d'invocables et bah, il est juste en dessous. Une petite annotation à ce contrôleur, parce qu'on aime bien ça. C'est quand même assez pratique, plutôt que de déclarer ça en YAML. Et ben voilà, on injecte tout ce qu'il nous faut, nos services, nos IRI converteurs, notre security pour savoir qui est connecté. On récupère le token, l'utilisateur, ainsi de suite, l'URI, et hop, on envoie ça à l'entité. Derrière, API Platform va s'occuper de le persister. Voilà, ça c'est bien, ça marche. Bien évidemment, comme je vous disais, il a fallu le réutiliser. Ça arrivait un matin, bah tiens, on a des pages maintenant. Est-ce qu'on peut les liker, s'il vous plaît? Maintenant que vous avez fait la fonctionnalité, ça va aller vite. Bah oui, mais sauf que là, on est vraiment très spécifique, en fait, on est vraiment couplé à cet article. Donc à chaque fois, il aurait fallu, parce qu'on ne l'a pas fait quand même, à chaque fois, dupliquer le contrôleur, faire un contrôleur spécifique et copier-coller. Ajouter la propriété like à la page, l'implémentation du like, savoir si je l'ajoute, je le supprime, ainsi de suite, et ajouter les ressources d'API. Donc ça va, ça marche, mais bon, on est un peu feignant, donc préférez faire une autre solution quand même. Un petit récapitulatif, ça c'est simple, ça marche si vous n'avez pas besoin de partager. Donc au final, bah, si vous n'avez que ça, c'est bien, vous embêtez pas, ne cherchez pas plus loin, il faut rester pragmatique quand même. Par contre, évidemment, des avantages, comme je disais, duplication de code si jamais vous devez appliquer ça sur d'autres types de ressources. Et évidemment, on peut faire bien meilleur. C'est Jérémy qui va faire le bien meilleur. Donc la solution suivante dans notre parcours, c'est le partage de contrôleurs, donc d'avoir un contrôleur unique pour un seul comportement qui va handler toutes les ressources qui ont besoin de ce comportement. Mais avant de passer à ça, il faut quand même faire un peu de refactoring dans notre code. Donc on va tout simplement, la première étape c'est quand même de mettre une interface pour signaler que nos ressources doivent implémenter ce comportement. Donc là c'est tout simple, on récupère juste les signatures de nos fonctions. Ensuite, nous on a pris le parti de sortir l'implémentation dans un trait. La raison est toute simple, c'est que chacune de nos ressources peuvent implémenter un à n comportements. Donc on ne peut pas passer par une classe intermédiaire ou ce genre de choses.
la suite. Alors là, c'est toujours débattable. On a sorti le champ de l'entité dans un trait doctrine. Alors, moi, je suis partisan de sortir les champs par champ dans les entités, les champs des entités doctrine dans des traits particuliers, pour la pure et simple raison, c'est que les implémentations et la configuration du champ peuvent changer sur chaque ressource. Donc là, on a extrait ça. Et ensuite, vu que maintenant, on a une interface commune à toutes nos ressources qui implémentent ce comportement, on peut aussi ajouter un service intermédiaire qui, lui, par exemple, ici, va se charger de convertir l'utilisateur en IRI. Donc, tout ça, ça nous permet d'arriver à cette forme-là sur notre ressource. Donc là, l'article va implémenter le likeable interface. Donc on sait que maintenant, il va devoir implémenter ce comportement. On utilise notre trait pour l'implémentation. Et maintenant, chacun de nos annotations de route peuvent pointer vers un contrôleur qui est unique pour chaque comportement. Ainsi, le like va donc être implémenté comme ça. Et ce like-là pourrait être réutilisé sur d'autres sources comme les commentaires, les pages, les news, et ainsi de suite. Donc, par rapport à la précédente méthode, on a quand même un gros gain. C'est-à-dire que maintenant, on va réutiliser nos composants logiciels de trait et d'interface. Mais il nous reste encore la duplication des annotations sur les API ressources. Donc, on peut encore aller un tout petit peu plus loin dans tout ça pour se passer de ça. Et là, je rends la main à Hubert. Alors, pardon, excusez-moi. Donc oui, le code est un peu mieux que la version précédente, on a refactorisé. On a un peu centralisé les choses, donc on peut les tester plus simplement. C'est aussi assez facile à comprendre comme méthode d'approche, parce que c'est assez proche de ce qui est documenté pour les custom opérations dans la doc d'API Platform. Et le principal contre, c'est qu'on a toujours besoin d'écrire nos annotations à la main et les maintenir sur toutes les ressources qui partagent ces comportements. Ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, en fait, on a parlé de metadata en fait, dans le speech de ce talk. Mais du coup, on va voir comment ça se passe en fait, dans API Platform, parce qu'on est quand même là pour ça, parler des metadata dans API Platform. Alors, metadata, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Évidemment, vous sortez un peu la logique, enfin, vous extrayez dans le mot, il y a data, donc vous allez avoir un ensemble de données que vous, derrière, vous allez associer à une ressource, en fait. Alors, ça peut être n'importe quoi, cette ressource. Ça peut être n'importe quoi, ces données, mais ça peut être n'importe quoi, cette ressource. Là, par exemple, j'ai mis un petit bout de code PHP, là, qui est en commentaire, pour afficher, en utilisant la méthode exif-read-data, extraire les métadatas, en fait, d'une image. En fait, même une image que vous allez prendre depuis votre appareil photo, de n'importe quoi que vous avez trouvé sur le net, va avoir en fait des métadonnées. Donc là, c'est un exemple. Là, j'ai pris une photo de vacances. On peut voir que ça a été pris à telle date, la taille du fichier, quel est le MIME type, quel est le modèle du téléphone, quelle est la marque. Est-ce que madame a eu la présence d'esprit de prendre en paysage plutôt qu'en portrait ? C'est quand même plus pratique à consulter les photos. Pensez-y. Une autre version du downtime, et si vous avez configuré aussi votre téléphone pour ça, ajoutez potentiellement la position GPS. C'est assez pratique. Donc vous voyez, dans n'importe quelle image, vous allez avoir des métadatas. Une image que vous avez là, une image que vous allez récupérer sur Internet, vous allez pouvoir choper plein d'informations. Ne l'utilisez pas pour stalker, hein, c'est pas une bonne idée. Donc maintenant, si on s'intéresse plus à PHP, si je vous dis métadata et PHP, généralement, on vient à l'esprit de doctrine, parce que doctrine, on parle souvent des métadatas. C'est un peu obscur, les classes métadatas. Et on sait pas trop, on n'ose pas trop y toucher, c'est quelque chose d'assez critique, surtout. Même quand vous regardez le code de doctrine, c'est écrit, attention, certaines méthodes qui touchent aux métadatas, attention, vous touchez à ça, vous risquez de casser vos perfs, pour être poli. Donc c'est très critique. Là, on peut voir que dans doctrine, une classe metadata va regrouper plein d'informations en fait. Des informations que vous avez pu lui renseigner via annotation, via attribut, via YAML, via XML. Bref, vous allez avoir tout un ensemble de données. Lui,
ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout agréger et mettre ça en fait dans des métadonnées, une classe metadata en fait, plus précisément avec bah, votre entité, le repository, l'identifier et du mapping des champs en fait. Quand lui il va récupérer un champ de la base de données, il va pas savoir si c'est un datetime, si c'est un int, lui il va pas récupérer ça directement. Il faut bien qu'il le mappe à un moment donné. Et bah, c'est grâce aux métadata. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ces métadata sont lus à chaque fois que vous allez faire une requête, donc sont liés au runtime. Du coup, quand c'est ça, bah, Doctrine pense à vous quand même, pense à vos perfs. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous installez, généralement, vous avez déjà la configuration qui est déjà toute faite, si jamais vous n'êtes pas penché dessus. Là, vous allez juste voir que vous déclarez certains pools de cache. Vous allez utiliser le cache de Symfony, donc après, vous le configurez comme vous voulez. Si vous voulez que ça marche bien, vous utilisez Redis. Si vous voulez faire en dev, vous utilisez le file system, à vous de voir. Mais c'est capital, pour pas dire indispensable, d'avoir ce système de cache, parce qu'en fait, voilà, parser des métadonnées, utiliser les annotations, bah, c'est très très lourd, parce qu'en gros, il va se baser, il va lire le fichier, il va le parser pour caricaturer avec des regex, donc c'est très très lourd. Il va tout agréger, il va tout vous mettre dans le cache, et c'est ça qu'il va aller rechercher en priorité, bien évidemment. Il va mettre ça dans, donc, dans des fichiers, et derrière, bah, voilà, c'est pour vos perfs, en fait, c'est pour votre bien qui fait ça. Donc voilà, donc indispensable à cacher. Voilà, bah après, voilà, vous allez me dire, il est bien gentil Jean Béru, mais où est-ce qu'il va en venir ? On est quand même là pour parler d'API plateforme au final. En effet. Donc, en fait, ça va être le même principe API plateforme. Vous allez avoir votre conf qui va être en YAML, en PHP, ce que vous voulez. Et bah du coup, vous allez pouvoir définir, comme vous le faites là, avec des attributs PHP 8, bah, vos ressources, vos opérations. Des particularités dans vos opérations, enfin savoir si c'est le URI template, le scheme, les options, enfin ce que vous voulez. Donc tout ça, ça reste des métadonnées au final que vous déclarez comme ça ou sous plusieurs formes. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite, enfin qui va permettre à API Platform ensuite de pouvoir gérer tout ça, pouvoir vous proposer ces API. Voilà, vite fait, à quoi ça ressemble. Donc là, ce sont des... Là, Doctrine, on avait du class metadata. Là, on est sur du ressource metadata collection. Ça a un peu changé par rapport à API Platform 2.6. Là, on s'est basé du coup sur la 3. Ça, hein, c'est plus les mêmes classes, mais ça reste le même délire. On va avoir un objet qui va stocker vos metadata. Donc API Platform va stocker quelle est votre ressource classe. Et ensuite, bah, quelles sont les routes, et ainsi de suite. Enfin, y a une foultitude de propriétés et bah, des URI variables, la classe ciblée, les opérations, bref. Voilà, vous avez compris l'idée. Quoi. C'est bien gentil, mais comment il fait ça en fait ? Parce que c'est bien, il va pas juste convertir du YAML en tableau PHP, il va pas, je sais pas, parser vos annotations et copier-coller bêtement. API Platform, donc en version 3, va utiliser une factory qui implémente cette interface, donc le ressource metadata collection factory interface. Heureusement que j'ai mes notes. Et qui a qu'une seule méthode en fait. La signature, c'est un create. Vous lui donnez la ressource classe, qui est une chaîne de caractères, et vous devez retourner un ressource metadata collection. C'est une collection de toutes vos metadata. La remarque qu'on a eue, c'est pourquoi c'est un string qui est envoyé, et pourquoi pas directement. Un objet ou autre serait plus pratique au final. C'est parce qu'en fait, ça, des métadata, vous allez en avoir besoin avant du runtime. En fait, vous allez devoir compiler tous ces métadata avant même de pouvoir l'utiliser en fait, avant le runtime. Donc du coup, on n'a que le type de DTO, mais on n'a pas de DTO qui vient de la base de données, par exemple, enfin d'objet qui vient de la base de données. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve juste avec une chaîne de caractères. Et donc du coup. Vous doutez bien qu'il n'y a pas un seul service qui va implémenter cette interface-là. On pourrait dire, bah voilà, j'ai un service, il va utiliser cette factory-là et il va générer à l'appel toutes mes opérations. Ce service risque d'être un petit peu infect s'il fait tout en fait, parce qu'au final, API Platform, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser la décoration en fait. Vous avez qu'un seul service pour générer ces metadata, mais en fait, ce service, c'est quoi ? Bah, c'est un premier service qui va être décoré. Et ainsi de suite, décoré par un autre service, et chacun va ajouter sa propre logique. C'est comme ça que API Platform va générer ses métadatas. Donc clairement, l'analogie avec les poupées russes, vous avez par au-dessus, on voit peut-être pas très bien, le cached, c'est le premier, il va aller regarder dans Redis, où vous voulez, s'il y a du cache.
Si ce n'est pas le cas, on passe à Doctrine ORM, il va rajouter le provider de Doctrine pour dire où est-ce qu'on va chercher les données. Il va par exemple en donner un autre, le format response, pour dire bah, tiens, les formats que j'ai définis dans ma conf, bah, du coup, lesquels je peux appliquer à cette ressource, donc lesquels je vais mettre dans les métadatas, le filters pour dire quels sont les filtres, l'extractor qui va extraire les opérations. Bref, vous avez tout ce système de poupées russes donc, qui s'emboîte et qui vous permet à la fin d'avoir des ressources métadata collection. Juste via la décoration. Rien que ça. Alors, il n'y a pas que cela. Il y en a toute une flanquée de bases. Je me suis basé sur un grep, donc c'est peut-être approximatif, mais ça retourne bien la logique, c'est-à-dire que j'ai regardé dans la conf en XML tout ce qui décore le api.platform.metadata.ressources.metadata.collection.factory. Et en fait, donc la première colonne, vous allez avoir les priorités, la deuxième, la classe associée, en fait, le service associé. Donc on voit au tout début à moins 10, donc c'est-à-dire qu'il va arriver en premier, vous allez avoir le cached, ressources metadata collection factory. Donc lui, il va regarder, comme je disais, le cache. Il est à moins 10, tout simplement parce que si demain vous ajoutez votre propre décoration, votre propre logique, ce qu'on va voir après, par défaut, il va le mettre à 0. Donc pour votre bien, PayPlatform a quand même pensé à le mettre à moins 10 pour dire utiliser le cache quand même, de base. Et après, derrière, bon, vous avez toute une liste de providers, Elastic, MongoDM, ORM, du Messenger, du PHPDoc, enfin bref. Je les ai surlignés pour pas que ce soit imbuvable. Mais du coup, vous avez une idée de tout ce qui peut être fait au niveau de ces décorations. Voilà. Et donc, c'est bien beau de savoir tout ça, mais à quoi ça sert et pourquoi on en parle dans notre talk ? C'est qu'en fait, ça permet aussi de générer des choses qui vont nous servir pour réutiliser nos comportements sur nos ressources. Donc, comme on l'a vu avant, la ressource Metadata Collection Factory Interface demande l'implémentation d'une méthode qui s'appelle create, qui prend donc la ressource classe en paramètre et qui retourne donc une collection de metadata. Alors, comment ça se passe en pratique? Vu qu'on a un service décoré, il faut quand même récupérer le retour de ce service-là. Ensuite, on va nous vérifier que la ressource en question utilise et implémente bien le comportement qu'on veut lui associer. Et ensuite, on va parcourir la collection qui a été retournée avant pour lui coller les bonnes opérations qui vont bien. Donc là, le like, unlike et the least liked. Et on va retourner notre nouvelle collection qui est donc enrichie. Alors, c'est une petite précision, donc il faut quand même déclarer quels services on décore. Donc c'est fait avec le as décorateur de Symfony 6.1 dans la slide. Sinon, il faut passer ça dans les configurations YAML. Donc l'ajout d'une opération, ça se passe en plusieurs étapes. Donc à cette étape-là, on a donc la définition de l'API ressource qu'on va utiliser. Et elle-même porte une collection d'opérations. Donc c'est ce qui était auparavant les collections opérations et les items opérations, qui aujourd'hui ne sont qu'une seule collection commune. On va, après ça, nous, on va donc générer, à l'aide du pass segment name generator, qui est un composant API plateforme, qui va permettre de générer la chaîne de caractères qui correspond au nom de votre ressource dans les URL. Donc là, actuellement, vu qu'on bosse sur les articles, ça serait article en minuscule avec un S. Ensuite, la définition de l'opération en tant que telle, elle se passe un peu de la même façon qu'avec les propriétés dans API Platform 3, parce que en fait, c'est tout simplement le même objet qu'on génère. Donc on va lui passer un URI template, les formats, les inputs formats, et tout ce qui va avec. Donc ça se passe exactement comme sur la définition dans une ressource, dans un attribut PHP 8. Donc il y a quand même 2-3 choses à savoir quand on le fait manuellement. C'est que du coup, l'URI template, ben, on est obligé de le générer de façon dynamique, donc avec le nom qu'on a généré auparavant. Et ensuite, il faut quelques informations qui sont obligatoires. Parce qu'on va bypasser un certain nombre de choses qui sont générées par API Platform. Donc on va lui générer un nom qui est unique aussi à cette opération et lui passer la classe de la ressource. Dans le cas des postes, il faut aussi obligatoirement définir les formats d'entrée, sinon ça ne marche pas.
Ensuite, une autre chose très importante, qui est la boucle qui est en fin de code, qui, elle, va permettre de générer les URI variables. Donc les URI variables, en fait, c'est ce qui va relier le fait qu'on ait un ID dans l'URL de notre opération pour pouvoir récupérer l'article, le commentaire, la news en question. Ensuite, on ajoute cette opération à notre tableau d'opération, enfin notre collection d'opérations qu'on a récupérées dans la ressource. Et puis, elle permettra d'être handlée quand on va faire des requêtes dessus. Ensuite, parce que là, comme vous avez vu, on n'a pas défini de contrôleur auparavant sur notre opération. C'est parce qu'en fait, on va s'intercaler avec un event subscriber pour pouvoir gérer ces nouvelles opérations qu'on vient de générer. Donc, on va se brancher en post-read parce qu'on a besoin de notre ressource qui est désérialisée. Donc, on a besoin de notre ressource pour pouvoir faire les traitements dessus. Et on va le faire de cette façon-là. En fait, on va le traiter un peu comme un contrôleur qu'on manipulerait à la main. Donc, on va extraire tous les attributs de notre request. On va vérifier que la ressource class qui est présente dans ces attributs implémente bien l'interface de comportement qu'on lui a associé. Et ensuite, on l'a traité par le nom d'opération. Et si le nom de l'opération match avec celui qui est dans les attributs, on lance le traitement que l'on veut. Et donc là, à partir de ce moment-là, la réutilisation se fait uniquement par l'implémentation de l'interface de comportement qu'on a définie, des deux traits, et on n'a plus besoin de s'occuper de rien. Ce qui est pratique quand on a 5, 10, 15 ressources qui partagent le même comportement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a aussi centralisé tout le comportement à un endroit. Donc ça peut être pratique, et c'est surtout que maintenant, notre comportement est totalement découplé de notre ressource. Du coup, on n'a plus d'interaction directe et on peut le partager autant qu'on veut. Un point faible de cette méthode, c'est que c'est un peu plus complexe. C'est quelque chose qui n'est pas forcément documenté de cette façon-là. Donc, il faut absolument avoir ce besoin-là particulier pour aller jusque-là. Donc tous les exemples que vous avez vus sont présents dans un dépôt qui est déjà sous API Platform 3 et sous lequel vous aurez tous les exemples. Il suffit de lancer le projet, il est totalement fonctionnel. Après, il y en a peut-être un autre qui arrivera, mais bon, il y a un moyen. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, tout ce que vous avez pu voir, en fait, ce sont des trucs réutilisables. Donc potentiellement, vous pouvez même le faire sous forme de bundle, en fait. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a pu voir, bah, en fait, il n'y a aucune notion de votre ressource. Vous allez pouvoir l'appliquer sur ce que vous voulez, c'est ça l'intérêt. Le plus compliqué du code a déjà été fait. Bon, il peut être amélioré sur 2-3 points. Hein. Ce que vous avez pu voir, ce sont des exemples. Je pense au pragmatch, tout ça. Mais voilà, demain, vos metadata, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter exactement tout ce que fait API Platform. Vous avez une partie extra où vous pouvez mettre, bah, je sais pas, un petit marqueur, pour dire un petit flag, pour dire, bah, tiens, ça c'est likeable. Et donc derrière, vous allez avoir dans votre subscriber, tiens, est-ce que c'est likeable ? Bah dans ce cas-là, je fais le traitement. Est-ce que je suis dans telle opération ? Bah dans ce cas-là, si j'ai le petit flag, je sais que je suis dans telle opération. Enfin bref, tout ça pour dire que potentiellement, ça arrivera pas tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas mis le lien. Pas se mettre la pression pour rien. Du coup, voilà. Et bon, au final, on a été très vite. Oui. Mais comme quoi, bah, ça marche très bien. C'était pas si compliqué que ça. Ouais, 10 minutes. Bon, souvent, on est large, ça fait beaucoup de questions, ça. Donc, du coup, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a pris un peu large parce que, voilà, il y a potentiellement. Merci, Kevin. Parce que potentiellement, voilà, il peut y avoir beaucoup de questions, beaucoup de choses à revoir. Le code, comme je répète, le code que vous avez vu, c'est pas un POC, mais pas loin. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez contribuer à celui-là ou celui qui viendra peut-être prochainement. Voilà. Merci de votre attention.
Bonjour. J'avais une question concernant la documentation qui allait avec ces endpoints. Est-ce que ça nécessite de faire quelque chose de custom ou est-ce qu'il y a un moyen pour générer sur l'interface Swagger Open API les endpoints en question? Vu que c'est un objet qu'on peut déclarer exactement comme toutes les opérations qu'on aura en attribut, en fait, on a accès directement à l'Open API, la définition de l'Open API de la ressource. Donc, on peut la générer, on peut la renseigner. Par contre, c'est manuellement. Après, derrière, c'est fait au même niveau que l'opération, vu que c'est voilà, vu que c'est le même attribut. On peut même du coup le customiser avec le nom de la classe qui est passée, avec plein d'informations. Voilà, c'est pour liker tel type de choses. Mais du coup, voilà, tu peux ajouter tout ce que tu veux derrière. Ah, pas de souci, ça marche bien avec la petite UI qu'il y a derrière. Bah, non, franchement, ça marche bien. C'est juste nickel, quoi. Pas d'autres questions? Essaye de meubler ensemble. Hein, donc j'ai vu que tu avais mis un cascade orphan removal true dans les comments. Pourquoi? Oh, ça c'est. C'est du code de POC. Hein, il ne faut pas se baser sur tout. Mais si tu vas dans le dépôt, effectivement, la fonction commentaire est fonctionnelle aussi. Donc tu pourras t'amuser. Il y a une question en ligne, Thomas qui demande, pas un POC, mais pas loin, vous ne l'avez donc pas utilisé dans le gros projet dont vous parliez au début? Bien sûr que si, bon, mais on était encore sous API Platform 2, donc la forme est très différente, c'est pour ça qu'on a monté ce dépôt sous API Platform 3 pour avoir une version qui sera fonctionnelle dans le futur. Donc oui, c'est un POC, mais le concept est bien éprouvé, je crois, pour maintenant. On peut dire que ça marche plutôt bien, ouais. Ouais. Pas d'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.